Je crois que l'homme a été, sinon un mauvais rêve, sinon un cauchemar, du moins une figure très particulière, très déterminée, historiquement située à l'intérieur de notre culture. On a cru que l'homme, c'était au fond la réalité fondamentale à laquelle nous pouvions nous intéresser. Peut-être celui de la pensée pure, de la pensée en acte paradoxal. Le développement des sciences nous conduit maintenant beaucoup plus tôt à une disparition de l'homme qu'à une apothéose. Je crois que nous vivons actuellement la grande coupure avec le 19e siècle, avec tout ce début du 20e siècle. Ce que découvrait la mort de Dieu, c'était l'espace de la liberté. Ce que découvre maintenant la disparition de l'homme, c'est le grand réseau des systèmes auxquels nous appartenons, et on nous dit alors tout est nécessaire. We'll be right back.
Ce que découvrait la mort de Dieu, c'était l'espace de la liberté. Ce que découvre maintenant la disparition de l'homme, c'est le grand réseau des systèmes auxquels nous appartenons. Et on nous dit alors tout est nécessaire.
pas que l'homme a été, sinon un mauvais rêve, sinon un cauchemar, du moins une figure très particulière, très déterminée, historiquement située à l'intérieur de notre culture. On a cru que l'homme, c'était au fond la réalité fondamentale à laquelle nous pouvions nous intéresser. Ce que découvrait la mort de Dieu, c'était l'espace de la liberté. Ce que découvre maintenant la disparition de l'homme, c'est le grand réseau des systèmes auxquels nous appartenons. Et on nous dit alors tout est nécessaire. Je crois que l'homme a été, sinon un mauvais rêve, sinon un cauchemar, du moins une figure très particulière, très déterminée, historiquement située à l'intérieur de la culture. On a cru que l'homme, c'était au fond la réalité fondamentale à laquelle nous devions nous intéresser. We'll be right back.
afraid of him if he should visit you. He's a great big coward, so I'll tell you what to do. Hush, 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 here comes the boogeyman. Don't let him come too close to you, he'll catch you if he can. Just pretend that you're a crocodile, and you will find that boogeyman will run away a mile. Where we've been discussing the action that we will be taking to help the police to deal with the disorder on the streets of London and elsewhere in our country. And people should be in no doubt that we will do everything necessary to restore order to Britain's streets and to make them safe for the law abiding. People should be in no doubt that we are on the side of the law-abiding people who are appalled by what has happened in their own community. As ever, police officers have shown incredible bravery on our streets in confronting these thugs. Come too close.
Il y a donc des pays sans lieu et des histoires sans chronologie. Des cités, des planètes, des continents, des univers dont il serait bien impossible de relever la trace sur aucune carte ni dans aucun ciel, tout simplement parce qu'ils n'appartiennent à aucun espace. What is this life? If full of care, we have no time. So stand and stare. No time to stand beneath the mouse and stare as long as sheep or cows. No time to see. No time to see when woods we pass. When woods we pass. Where squirrels hide. Where squirrels hide. Where nuts and grass. No time to see, no time to see. In broad daylight, broad daylight. Green blood stars, green blood light skies at night. No time to turn, no time to turn. At youth's glance, and wash your feet. How they can dance, how they can dance. No time to wait, no time to wait. Till her mouth can c'est la douceur des utopies. Dans le vide de leur cœur, bref, c'est la douceur des utopies. Pourtant, je crois qu'il y a des utopies qui ont un lieu précis et réel. Un lieu qu'on peut situer sur une carte. Des utopies qui ont un temps déterminé, un temps qu'on peut fixer et mesurer selon le calendrier de tous les jours. Des utopies qui ont un temps déterminé, un temps qu'on peut fixer et mesurer selon le calendrier de tous les jours. Je rêve d'une science, et je dirais une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Je rêve d'une science, et je dirais une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Il est bien probable que chaque groupe humain, quel qu'il soit, découpe dans l'espace qu'il occupe des lieux utopiques et dans le temps où il s'affaire des moments uchroniques. Thank you.